Yo l'ami, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et d'activer tout simplement les notifications. Et pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo, t'as juste à cliquer tout simplement s'abonner, la petite cloche, la petite case, enregistrer. Et puis voilà, allez, je vous dis bon visionnage. Yo les amis, c'est Shiva, c'est qu'on se trouve aujourd'hui sur GTA 5 en mode job les amis. Donc vous pouvez voir, voilà, on intègre tout simplement la DIR, voilà, tout simplement la DIR. Voilà, tenue et texture de la voiture fait par Darkatos, il me semble, si j'ai dit bien son prénom, son pseudo. Voilà, un membre de la Barreau Team. Voilà, de toute façon, les liens vont être dans la description. Le script que j'ai trouvé, donc le mode job de Tonya, pour ceux qui connaissent, hein, qui ont fait le mode campagne sur GTA 5, ils savent qui c'est la jeune femme qui est dans la voiture. Et donc, j'ai pas dit c'est ma femme, voilà. J'ai emmené ma femme avec moi et elle travaille pour moi aussi. Donc, c'est Tonya du mode histoire de GTA 5. Donc voilà, petite véhicule, petite Jeep fait par Darkatos et la tenue aussi, franchement, regardez, c'est magnifique cette petite Jeep là avec le remorquage, tout ça, elle est magnifique cette voiture. Franchement, GG à toi, si... je crois que c'est Darkatos, hein, s'il me semble, ça fait un petit moment que j'avais téléchargé la texture, mais j'avais pas trouvé de mode, en fait pour faire une vidéo sur la DIR, parce que la DIR c'est différent, il n'y a pas de script hein, pour faire des vidéos sur la DIR, parce qu'il faut vraiment créer ses propres trucs, voilà, les accidents de la route, tout ça, il faut dégager la route, tout ça, voilà, c'est le rôle de la DIR. Normalement, c'est voilà, c'est sécurité routière, quoi, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, nous, on va juste intégrer, on va juste faire dépanneur, voilà, on va faire dépanneur en tant que la DIR dans Los Santos. On va patrouiller, voilà, on a des objectifs, tout ça, pour aller chercher les voitures. Voilà, on a des appels, tout ça, je vais monter dans la voiture. Donc voilà, donc si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça ferait extrêmement plaisir. Si on pouvait atteindre les 100 à 150 likes, donc pouces bleus sur la vidéo, franchement ça serait énorme. Ça serait, franchement ça me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter la vidéo comme d'habitude les amis, ça ferait extrêmement plaisir. Et c'est parti, on va aller déjà sur la première intervention qu'on a eu un appel. Vous allez voir, je vais vous faire voir l'intérieur de la voiture, franchement c'est magnifique. Voilà. Tonya, voilà ceux qui connaissent, hein, elle est défoncée, t'es défoncée chérie, ouais, t'es défoncée, ouais. T'inquiète, je gère aujourd'hui. Ok, vous pouvez voir le petit tableau de bord à droite, hein, voilà, petit ordinateur sympathique, franchement, voilà, la petite CB là pour justement aller chercher les voitures. Alors, on est appelé par la police, donc pour aller chercher les voitures qui sont soit cassées, soit bah, abandonnées, trucs comme ça, où il n'y a plus de roues, voilà, il n'y a plus de pneus, tout ça, donc il faut aller chercher les voitures. On pouvait voir à côté, il y a le commissariat pour ceux qui ont reconnu à côté, avec la police nationale. Donc voilà, je vais pas trop m'attarder ici, on y va, on va aller chercher. Ah, attends, je descends le truc, alors je vais remonter le truc. Et c'est parti, let's go. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour, voilà, dépanneur, tranquille, quoi. Allez, on y va. Donc, on va essayer de tourner là, on va pas attendre trop longtemps. Ah ouais, je peux pas. Ah si, okay. Allez, c'est parti, on y va. On va essayer de passer par là. Alors, je vais mettre les gyros si on a une intervention. On n'a pas le... Comment dire? On voit pas trop les gyros. Parce qu'il fait... Voilà, il fait beau aujourd'hui. Franchement, il fait beau. Mais dans la nuit, ça devait être sympa. Parce que j'ai pas encore essayé de nuit. Mais ça peut être sympa avec les gyros là, orange. Allez, on y va. Ça peut être sympa, nous on va aller chercher la voiture. Donc nous on est en intervention, donc on peut aller vite fait comme ça, tac. On doit aller chercher une voiture qui est abandonnée. On va voir comment c'est, on va faire l'état des lieux tout simplement avec directement. On va aller chercher la voiture. Ok, donc la voiture est garée par là. Ok, c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc on va se mettre en marche arrière. Ok. Hop, on va se mettre en marche arrière. Je vais me mettre là. Alors, je sais pas si c'est eux qu'ils ont appelé. Hop, là. Voilà, je vais me mettre là comme ça. Je vais voir qu'est-ce qu'elle a la voiture. Ok, on va faire un tour des lieux. Ok, donc là on a le moteur. Ouais, ok, d'accord. C'est le moteur qui a lâché. Voilà, à mon avis. Ouais, c'est ça. Donc, on apprend. Donc là, il y a le moteur qui a cassé, les gars. Donc on va la ramener directement à la fourrière, donc de la police nationale. Allez, on y va. On va la prendre avec nous. Allez, c'est parti. Ah non, faut descendre. Voilà, c'est comme ça. On remonte. Voilà. Allez, c'est parti. On retourne à la fourrière. On l'emmène à la fourrière. On est toujours en intervention. On a les gyros. Ouais, c'est bon. Allez, hop. On l'emmène à la fourrière. Franchement, elle est pas mal la caisse. Hein.
J'espère que vous kiffez la vidéo. Si c'est le cas, hein, comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, les amis. Ça ferait extrêmement plaisir. C'est franchement, je cherchais depuis longtemps un mode où voilà, je pourrais utiliser la DIR. Parce que ça fait un petit moment que j'ai les textures, tout ça, mais voilà, j'avais pas le mode, le script, tout ça. Voilà, pour vraiment faire le truc là, voilà, il fallait faire des trucs. Je sais pas comment il faisait, je sais pas si vous connaissez, c'est Isa Fruxtify. Voilà, pour ceux qui connaissent. Je sais pas comment il fait ses interventions sur la DIR. Voilà, je sais pas, faut que je trouve le même fichier que lui, le même script. Alors, ceux qui connaissent la vidéo de Isa Frostify, n'hésitez pas à me le faire partager pour que je puisse faire aussi des vidéos comme lui, comme il fait sur la DIR. Mais c'est pas facile au niveau de la DIR. Oula, il y a un pneu caca. Ok, ah, il y a un pneu caca ou quoi? Non. Ok, on va l'emmener là. Donc voilà, le job il est fait. On va reculer. Voilà, tac. On va l'emmener ici, on l'a amené à la fourrière. Et normalement, si tout se passe bien, la mission est accomplie. Alors, on va descendre. Voilà. Et on va drop. Voilà, mission réussie, les amis. Ok. Et on se retrouve juste après. Juste après, les amis. Voilà, on se retrouve juste après. On reprend, on a réussi une fois. Et on repart sur une mission. On va aller chercher une autre mission. Je vais pas couper, hein, je vais pas couper. Je voulais couper, mais en fait, non. Je voulais couper les vidéos, mais en fait, on va reprendre une mission. Voilà, on va rechercher une autre mission. Allez, c'est parti, on reprend une autre mission. Voilà, ça, c'est notre job d'aujourd'hui. Voilà, Tonya est là, toujours présente. Ouais, c'est monté là, chérie. Ok, on y va. Allez. Par contre, c'est un petit peu sale, là, le... Alors, attendez, hop, là. Voilà, monte-le. Voilà, je suis à bloc. Ok, c'est bon, on y va. Donc, on va chercher un autre véhicule. Allez, vas-y, monte ça comme ça. Voilà. Par contre, les ordures, laissez accrocher. Allez, on y va. Intervention, on va chercher un autre véhicule. On a été appelé pour un autre véhicule, là. Hop, là. Franchement, c'est... Mais t'es pas bien, toi, mon gars, ou quoi? Tu vois pas, je suis en intervention, là. Je vais aller chercher une voiture. Franchement, cette Jeep, elle est magnifique. Alors, j'ai aussi le Mercedes-Benz, je crois, de la DIR, mais comme je vous ai dit, j'ai pas la vraie truc pour aller sur les autos. Bah, c'est ça, cette Jeep-là, c'est bien pour remorquer les voitures, tout ça, là, comme ça, dans la ville. Mais sur l'autoroute, c'est bien d'avoir le Mercedes-Benz, tout ça, pour vraiment le truc avec le panneau signalisation, attention, accident, ou tout comme ça. Voilà, le rôle de la DIR, hein, à protection routière. Indétermental, ouais, j'ai du mal à le dire ce mot-là. C'est un truc de dingue. Bref, allez, on y va. Oh là, je crois que c'est un quartier. Ouh, c'est un quartier chaud ici. Là. C'est où il y a de la drogue normalement. Ouh là, on va pas trop s'attarder ici, les amis. Alors, c'est laquelle? Je vais me mettre là. Oh, regardez, là, c'est les drogués. Reste là, chérie. Hein. Je sais que c'est là où tu prends ta cam. C'est là où tu prends ta drogue. Mais reste là, chérie. T'inquiète pas, je gère tout. Ne descends pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a? C'est celle-là ou quoi? Petite Ferrari là? Non, je sais pas si c'est quoi celle-là. Non, c'est pas une Ferrari, c'est là. Ah, c'est la Regini, je sais pas quoi là. Bref, je connais pas trop les véhicules de GTA. Ok, donc là, à mon avis, c'est le moteur qui a fumé là. Ouais, ça fume de derrière. C'est le moteur qui a cramé, encore une fois. Ouais, on va la prendre. Ok, c'est ça là. Reste là, chérie. Je sais que t'es tenté d'aller chercher de la drogue là, mais pour l'instant, on est au travail. On verra ça le week-end, ok? Alors, excusez-moi, hein, c'est ma femme, elle se drogue un petit peu. Donc, hop, on va aller chercher la voiture là. On va pas trop les énerver, eux. Allez. Hop, on descend. Ok. Bon, maintenant, pour sortir la voiture ici, ça va être chaud. Ah, c'est pas grave. Le moteur est cassé, de toute façon. Ouh là là. On va pas leur casser leur voiture. Ouf. Allez, vas-y, on se tire. Parce qu'ils vont nous péter la gueule. Ok, c'est bon, c'est parfait. Let's go, c'est bon, central, on a récupéré la voiture demandée. On retourne à la fourrière. Allez, let's go. Bon, ils vont nous laisser passer ou quoi? Bon, allez, on passe après ça là. Ça, j'aime pas trop ce quartier là. Ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Et puis comme par hasard, il y a la queue quoi. Oh là, qu'est-ce que tu veux me faire toi? Tu veux doubler à gauche là? Bon, je regarde là parce que... Ouais, faut que je la lève. Voilà. C'est bon.
fou, bah dis donc, aujourd'hui il y a des voitures, hein. Il y a des voitures à remorquer là, des voitures cassées. Hein. Allez, on continue. Franchement, en plus il fait bouillir, franchement. En plus le nouveau mode graphique que j'ai mis, le Natural Vision, franchement il déchire. Bon après voilà, il faut voir la carte graphique, ça demande beaucoup de sources je crois. Mais il est magnifique, ce mode graphique là. Voilà, si je mets là, non. Allez, on retourne au central, on va l'amener à la fourrière. Hop là, désolé, je passe en priorité, je suis en intervention, j'ai les gyros. What? Ouh là là, bon bah de toute façon elle était baisée déjà, elle était cassée la voiture. C'est pas grave, j'avais pas vu qu'il y avait le train. Pourtant ma barrière était pas baissée, j'ai pas vu. J'ai pas vu que c'était cassé. Bon, de toute façon là, comme ça, maintenant elle est cassée pour de bon, hein. Elle est cassée pour de bon. Donc voilà, centrale, c'est bon, on est arrivé à la fourrière. On dépose le véhicule, donc moteur cassé. Voilà. Voilà, et on drop. Voilà. Ah merde, non, si tu drops en fait. Ah, j'ai passé la mission. Passé, non? Je crois, c'est j'ai pas eu le. Ok, je fais le truc suivant en fait. Bon, c'est pas grave. On va reprendre notre intervention, les amis. Normalement, ça devrait pas. C'est notre mission accomplie, il me semble. C'est vrai que tard, j'ai eu passé, mais là, ça me vient l'idée, les amis. Passé, ouais, non, mais non. Ok, chérie, allez, on repart. On a une autre intervention là. On a été appelé encore par la police nationale. On devait chercher les véhicules. Ok, allez, c'est en intervention en plus, la police là. Ok, attends, je vais mettre un petit peu plus loin là. Voilà, comme ça. Ça, on va le monter. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, il y a une intervention. Ouais, c'est tendu là. Oh là là, il y a tout le commissariat qui sort là. C'est sérieux quoi? Bon, nous, on va partir, on va chercher. Bon, on vous laisse les gars, nous, on va aller chercher la voiture qu'on nous a demandé le central là. Allez, on y va. Alors, comme vous pouvez voir à côté. Oh là, désolé, c'est dangereux ce que je fais, j'ai même pas mis les gyros. Voilà, vous pouvez voir. Le petit VSAV là des pompiers à côté sont magnifiques. Fait par Drizix, un membre de la Baro Team aussi. Hein. Drizix, si je le dis bien. Hein, à chaque fois, je sais pas si je le dis bien. Oh putain, c'était là. Désolé. Ouais, voilà. Allez, on y va. C'est à moitié dangereux le machin qui se balade là comme ça. Là. Ils auraient dû faire un système où tout simplement où ça s'accroche automatique quand tu lèves. Qui reste accroché quoi. Oh, j'ai les gyros là. Oh, c'est bon, j'ai les gyros, je vais essayer de passer vite fait. Allez, on y va. Oh, j'ai la gendarmerie là-haut là. Ils survolent la ville. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai monté, j'étais à 5 câbles plantés. Donc les gars, je vous dis à tout de suite, on se retrouve juste après. Bon les amis, c'est reparti, voilà, donc j'ai redémarré mon jeu et tout, on repart tout de suite pour une autre intervention tout simplement, qu'on a signalé tout simplement une voiture, voilà, qui était abandonnée je crois. Alors, on va se rendre de suite, allez c'est parti. Désolé hein, pour le petit bug qu'il y a eu avant, mais voilà, j'ai mon GTA 5 qui a un peu planté. Allez, on y va, on va mettre les gyros. Voilà, hop, on met les gyros pour dire qu'on est en intervention tout simplement. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous fait kiffer. Ben, ça fait kiffer une petite vidéo sur la dire. Hein. Depuis le temps, il y a des abonnés hein, qui m'ont demandé plusieurs fois pourquoi tu fais pas la dire. Alors, vous pouvez voir, voilà. On voit les gyros en plus là. Et voilà, franchement, pour dire qu'on a une intervention. Donc, c'est la voiture d'en face. On va faire demi-tour. C'est une voiture. Qu'est-ce qu'elle a ça? À mon avis, c'est une voiture abandonnée. On va faire demi-tour comme ça. Tac. Voilà. Ouf. Voilà. On va voir ce qu'elle a la voiture. Ok. Donc ok, c'est moteur cramé. Oula, m'écrase pas s'il te plaît. Allez vas-y. Avance. Circule. Ok. Donc ok, apparemment c'est une voiture tête d'un gang à mon avis. Donc non c'est bon, il y a les jantes, il y a les pneus, tout. C'est moteur qui a cramé en fait. La personne l'a laissé là. Donc du coup la police nationale a dû faire une patrouille à côté, il nous a signalé comme quoi qu'il y avait une voiture qui était sur le bas côté, voilà, abandonnée. Donc on va la prendre, c'est parti, on l'emmène à la fourrière. Allez hop, on la prend avec nous, let's go, on retourne au central. C'est bon central, on a récupéré le véhicule qu'on nous a signalé, on le ramène à la fourrière.
Voilà, on le ramène au dépôt. Allez, c'est parti. Hop, on remonte par là. J'espère que ça n'a pas planté pour nous, les amis. Ça serait un peu con si on plante à chaque intervention. Et ça, c'était pas très loin. Franchement, c'était pas très loin. On y va, là. Donc, oula. Allez, on y va avant que le train arrive. Voilà. Oh putain, puis c'est orange. Allez, on va les laisser comme ça. On le tourne là, nous. Voilà. Ok. Donc, normalement, je devrais pas drop. Si je fais drop, normalement, je dois descendre. Ok. Non, normalement. Oh, c'était H. C'était H. Non. Ah. Non, non, merde. Non, 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 bah non, je suis à s'appuyer, j'ai pas 7. J'ai pas 7, c'est pas grave. Bon, ça va, mission réussie, on va dire, c'est mission réussie, on a ramené au truc, c'est pas grave. Donc, il y a un autre moyen, normalement, mais voilà, c'est. Je viens de découvrir le mode. On repart en mission, les amis. Je viens de découvrir le mode, donc j'en ferai d'autres, de toute façon, des vidéos là-dessus. Hein. Petite journée dépanneur sur la dire. Donc, la chérie, t'es encore là, c'est bon, ok. On va essayer de se refaire une petite dernière intervention, les amis. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. C'est parti, on y va, let's go. C'est ringard, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en bat les steaks. Ceux qui sont pas contents, c'est pas grave. Alors, du coup, allez, on repart sur une autre intervention. J'espère que celle-là va être bien, allez, on y va. Oh, ça, c'est pas très loin. On va y aller vite fait. Ah, puis oh, j'ai le taxi là, comme par hasard, qui me casse les roubignoles. Ah, vas-y, je vais essayer de le contourner par là, c'est le taxi là. Attends, il y a beaucoup de taxis là. Il faudrait que je remette le taxi là, 508 taxi là. Il faudrait que je la remette. On va passer par là. Alors, c'est quoi comme véhicule ça? Ok, c'est un véhicule qui est par là. On va aller chercher ça. Ok, il y a la poule qui nous indique où c'est. Excellent. Donc on va se mettre là, on va voir ce qui se passe. Prêt à partir. Voilà, hop. On va voir ce qu'il y a là, la voiture. Ok. Donc c'est bon, central, on est arrivé. Oula, ouais quand même. Ah ouais, il y a plus de capot, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de capot, il n'y a plus rien. Ok, donc le moteur a cramé aussi. Bon, aujourd'hui, hein, ça y va. Hein. Peut-être avec le soleil, hein, c'est comme il fait chaud aujourd'hui. Voilà, ça fait surchauffer les voitures. Donc voilà, les véhicules sont abandonnés comme ça. Bon, le mec, il a bien mis sa voiture, il est pas trop sur la voie publique, donc ça va. Elle est même pas sur la voie publique. Allez, on va la prendre. Normalement, si je fais ça, on la prend. Non ? On va faire comme ça. Par contre, c'est chaud pour la prendre. Là. Non, tu veux pas ? Je suis obligé de faire ça. Voilà. Non, pas encore. Encore, encore. Ok. Donc ça veut pas. On va faire ça, les gars. Je vais aller sortir. Je vais prendre le véhicule. Ah bah non, le véhicule, il est mort. Je peux pas. Je peux pas déplacer là, normalement. Qu'est-ce qu'il me fait, le truc? Voilà. Je peux pas le déplacer normalement. Ah si. Donc on va la mettre là. Voilà, j'espère que je vais manger un copyright avec cette musique là. On va la prendre comme ça en fait. Voilà. Hop, on va mettre comme ça, tac. Ok, donc c'est un véhicule abandonné, bah c'est apparemment. Voilà, le moteur a chauffé tout ça, mais là. Je sais pas, peut-être une course poursuite ou tout comme ça avec la police nationale. Ou la gendarmerie, on sait pas. Et qui l'a laissé. Allez, on va remonter le crochet.
On va la prendre comme ça en fait. Ça sera mieux comme ça. Allez. Allez, tu veux pas? Bon, il y a un petit malaise pour la dernière là. Ok. Pourquoi il veut pas la prendre? Attends, je suis dessus là. Normalement, ça devrait le faire là. Non, il veut pas. Et si je la prends par devant? Alors, je vais mettre ça comme ça. Ok. J'essaie de prendre par devant, on va voir. Voilà, en fait c'était par devant. Alors je sais pas comment j'aurais pu la prendre par devant, comment elle était placée. Voilà, heureusement, on va reculer comme ça. Voilà, on va la prendre comme ça. Allez, on y va. Oh putain. Ok. Merde, j'ai cassé mon... Non, c'est bon. Allez, on la prend. Putain, c'était pas facile là. L'intervention était pas facile. Allez, on va l'emmener. C'est pas très loin. On va être vite fait arriver au dépôt. C'est bon, c'est en train. On a récupéré le véhicule que vous avez signalé. Donc, on arrive au dépôt là, à la fourrière. On arrive d'ici 2 minutes. On est là. On arrive. Et comme par hasard, il roule plus vite que moi. Hop là, nous on va tourner ici. Alors normalement je devrais pas drop. Bon, ça va être la dernière intervention les amis. Voilà, aujourd'hui on a fait dépanneur. Non, là ça veut pas. On veut pas. Et là, comment on fait pour la décrocher? Non, on peut pas. J, on va voir. Non, tu veux pas? Non, tu veux pas. Oh merde, pourtant il n'y a pas de. Quand j'ai regardé sur le réglage du mode, ils me disent pas plus. C'est là, normalement si je fais to drop off the vehicle. Mais normalement c'est pas bon. Si je fais ça. Non. Le H c'est pour faire les machins. Non, trop tard. C'est pas grave. Bon, on a réussi quand même, hein. On arrive au dépôt. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Voilà, c'était une petite vidéo sur la dire que j'avais envie de vous faire. Ah, ça fait 23 minutes de vidéo là déjà. Donc voilà, aujourd'hui c'était notre job accompagné de Tonya. Voilà, ceux qui ont suivi le mode campagne, le mode histoire de GTA 5, ils doivent savoir qui c'est. Ah, c'est une dépanneuse dans GTA 5. Voilà, qui se drogue, hein, qui prend du crack, tout ça, machin, tout. Et tellement qu'elle est défoncée, bah demande à Franklin normalement de l'aider de temps en temps à aller chercher des véhicules. Voilà, en dépanneuse, tout ça. Donc moi, quand j'avais fait au début les prologues, c'était ça. Je devais aller chercher un véhicule avec elle. Chercher un véhicule, tout simplement, pour l'aider à travailler. Ça a été défoncé au crack. Hein. Il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, hein, ça fait un petit moment que j'ai fait les prologues.
Et puis voilà, donc c'était une petite vidéo sur la dire. Et puis voilà, donc avec les petites tessures de Dark Athos, tessure de la tenue et la tessure de la voiture, c'est Dark Athos. Je sais pas si je dis bien en tout cas le pseudo, mais je crois que c'est un truc comme ça, ouais, il me semble. J'espère que je dis pas de bêtises. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, les amis. En tout cas, je compte sur vous comme d'habitude. Hein, pour, si on pouvait atteindre les 100 pouces bleus ou 150 pouces bleus, ça serait ça me ferait extrêmement plaisir. Et un petit commentaire qui fait plaisir comme d'habitude, les amis. Et voilà, pour ma part, je vous dis bonne journée à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!